m'appelle Émilie Castellano, j'ai 39 ans, je dirige une association d'éducation populaire sur Belfort et je suis déléguée nationale pour la région Bourgogne-Franche-Comté et je représente plus particulièrement le Nord-Franche-Comté. Le premier, c'est de représenter les sociétaires, je pense que c'est au cœur de nos missions. Et puis le deuxième, c'est aussi de faire exister sur les territoires les valeurs de l'économie sociale et solidaire, les valeurs qu'on porte, et de mener des actions sur le terrain. C'est une action qu'on mène depuis l'an dernier avec Unicité et puis aussi avec une association qui a été soutenue par la Fondation Massif. Et c'est une action qu'on mène dans les collèges, lycées, sur le harcèlement scolaire. Les jeunes d'Unicité vont dans les établissements, diffusent le film qui a été produit, qui est un petit film, un petit court-métrage qui a été fait par des jeunes en fait, sur le harcèlement et sur les situations qu'ils peuvent vivre. Et ils font des animations dans les établissements à la demande des chefs d'établissement. La valeur pour moi la plus importante à la Massif, c'est la solidarité. Je trouve qu'en plus, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est une valeur dont on a tellement besoin, notamment auprès des publics les plus fragiles. Et on a au sein de la Massif des dispositifs qui sont là pour aider nos sociétaires fragilisés par ce qu'on vit aujourd'hui, mais aussi parce qu'on peut vivre dans toute une vie. On a plein de dispositifs qui permettent de les soutenir. Alors l'objet que j'avais trouvé, c'était le ballon. Donc pourquoi un ballon? Parce que dans ce qu'on vit en tant que délégué et représentant des sociétaires, c'est l'importance de faire équipe. On vient de milieux différents, on a des vies différentes, mais à un moment donné, on se retrouve et avec toutes nos différences, on doit faire équipe et travailler ensemble pour accompagner les sociétaires et pour aussi porter les valeurs de l'économie sociale et solidaire en accompagnant des publics fragiles ou en travaillant sur les questions du climat, enfin voilà, sur tous les grands sujets de société d'aujourd'hui.